Mais genre, je sais pas si t'as vu le coup de coude qu'il a mis à un moment, TK. Pense à toi! Et mon coup de Twitter! C'est bon, pareil. À ce qui paraît, il l'a gros. Attends, moi j'arrête d'effaire mon voile, je prends sur mon temps de travail. Hein? Ouais. T'as mis la voile, moi? Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un Drop Vulbis combat 1v1 à la clé. Hein, bonjour, c'est William, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment drop des Dofus Vulbis. Alors on se retrouve, il me gère OMG. Hier je l'ai vu perdre un combat, il a perdu 800 points d'honneur. J'étais dégoûté pour lui. Qui ça, The? Ouais. J'étais fané pour lui. Écoutez, ça sera un avant-goût du PvP 1v1, puis ça sera du colis. Tu l'as encore le truc de Donjon Obsidian là ou pas? De quoi? Le truc du donjon obsidien qu'on avait fait là. La vidéo? Ouais. Bah bien sûr que je l'ai. Allez, mais c'est celle-là que tu postes ou c'est une autre là, Bah non, en fait je vais peut-être en poster deux aujourd'hui vu qu'on est dimanche. Ah mais celle-là je pense elle est taille de drôle, je pense on va se taper des barres. Ouais, celle-là. Bah je pense qu'elle arrivera demain, ouais. Demain? Ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui je crois que je vais peut-être poster un perco. Mec. Tu mets laquelle? Tu mets le truc des rats de trucs là ou tu mets Je sais plus. Tu mets le colis? Bah en fait attends, alors je sais plus, attends j'ai fait une vidéo. En fait ouais, j'ai fait une vidéo avec Anda, c'est un colis, mais ça c'est la première. Et normalement la deuxième justement j'étais en train de faire le montage avec toi et tout. Ouais. Et ouais, ça c'est l'attaque perco numéro 2. Mais hier, je sais plus, j'ai posté quoi hier? J'ai posté un perco aussi. Ah t'as posté une attaque perco, ouais. Ah bah merde alors ouais. Bah non finalement ouais, je vais peut-être poster donjon ce soir à 18h, mais c'est pas sûr. Mais ouais, j'ai pas posté, ouais. Après, il faudrait qu'aujourd'hui je puisse filmer. Enfin, si je veux en poster deux par jour, faut vraiment que je filme aujourd'hui, par exemple. Ouais, je vois. Là, on va faire quelques colis, puis ensuite on va faire peut-être quelques donjons et après peut-être quelques. Ouais. Je vois. Quelques perco, ouais, parce que perco, bon, faut garder le rythme. Hein. Mais tu sais que, genre, j'ai trouvé un bête de perco. Genre, tu sais que les broderies en ce moment, ça vaut trop cher. Ouais, mais c'est carrément dans la dimension. Après, ouais, dans le donjon, mais genre juste dans le donjon. Et vu que dans Reign des Voleurs, t'es pas obligé de te taper toutes les salles en fait, tu t'en fous. Ouais, attends, mais dis pas qu'ils l'ont récupéré. Vente de la baleine, donjon du compte à rebours. Ils l'ont récup? Je crois qu'ils l'ont récup, ouais. Ah non, il y en a un au vente de la baleine, 1 million 9. Il y a des noyaux pro. C'est déjà bien. Après, moi joystick, je dis... est-ce que tu sais la première fois où je t'ai MP de toute ma vie? Non. Est-ce que tu sais que tu m'avais demandé enfin, genre, dans une de tes vidéos, t'avais dit, hésitez pas si vous voulez que je vous fasse passer le proto, ah, ouais. Vous me donnez les noyaux en échange. C'était peut-être et toi, moi parce j'étais que 199. Squeak, j'avais déjà vu ce nom-là. Ouais. C'était et genre, ça. En fait, moi, je voulais bien XP, tu vois, genre, je voyais 20 millions et tout, moi j'étais encore niveau 189, tu vois, j'étais tout content. Toi, tu m'avais dit, ouais, au cas où, si tu me voles les noyaux, donne-moi un bout de ton stuff et tout, moi j'étais là, mais non, pas, c'était pas moi, c'est impossible. Ah, si, je te promets que jamais de la vie j'aurais dit ça à quelqu'un. Ah ouais? Donne-moi un bout de ton stuff. Non, ouais, non, genre, non, pour être sûr que tu gardes pas les noyaux. Non, c'est impossible, parce que moi, où je faisais contre les Kamas, où je faisais. Contre les noyaux, et encore je préférais les kamas, mais les stuff jamais, parce que déjà je vends jamais de stuff, en plus ça se vend super mal. Alors après, peut-être que j'ai dû te dire une autre phrase, mais... Ah je sais pas, j'avais souvenir de ça. Alors après, est-ce que t'es sûr que c'était moi avec Mathieu? Parce que... Bah sûrement, hein, parce que bah, Joystick il n'a pas 20 000 sur le serveur. Bah il y en a qui se font passer pour moi, mais est-ce que ah ouais, y a des invité faits en groupe? Bah ouais, mais ils sont pas forcément créés à niveau 200, c'est pour ça que ah je ouais demande est-ce que... Ouais. Dac. Bon, de toute façon je m'en bats les steaks, hein. Maintenant je suis niveau 200. J'ai mon petit stuff du ghetto des familles. Ouais, donc, je suis content. Ouais, c'est sûr. Je suis en train de monter un family en ce moment, c'est l'horreur pour le monter. Mais vraiment. C'est lequel? C'est celui-là. Est-ce que tu sais ce qu'il donne? Oh. Alors là, pas du tout. Celui-là, il t'a donné. Bah. Oulala. Mais tu sais qu'il est trop cheatant en vrai. Hein. Mais vraiment. Hein. Il donne quoi? En gros, c'est un cram-cram, sauf qu'il donne pas 50 puissance, il donne 100 vita. Donc 100 vita et. Et 5% res all. Ouais, ça va. C'est carrément cheaté pour un sacri. Ouais. Moi je m'en fous de les 50 puissance. Les gars ils me tapent, je les ai moi. Toi t'es content d'avoir de la puissance, moi je m'en bats les steaks. Ouais, mais enfin 100 vita, bon. Bon. Bon, t'as déjà 6000 points de vie quoi. Ouais, mais tu gagnes genre 100 dégâts à la pupu, un truc comme ça je crois. Ouais, non, mais ça. Ouais. Bah, après, ouais, c'est bien, c'est sûr.
Ouais, wow, bah, ça fait toujours stylé d'avoir un petit familier quand même. Tu regardes, c'est pas rien. Tu regardes le combat de Zeus, bah au pire, tu me spec et ouais. Vas-y, attends, je te spec. Mais voilà la map, hein. Il l'a agressé dans une map. Bah, dans, oh le bâtard, en plus il a fait le bâtard parce que genre il devait aller, je pense, au putsch et tout. Parce qu'il était sûr de perdre sur l'autre map, je pense. Franchement. Ah, il a fait le gros. Attends, deux secondes, il y a ma mère qui m'appelle, excuse-moi. Pas de soucis. Ouais! Ah ouais, attends, il y a ma grand-mère qui vient d'arriver, je vais juste lui dire bonjour. Vas-y, y'a pas de soucis. Allez, vas-y, à tout de suite. À tout. Du coup, les gars, bon, de base, c'est censé être un colis, mais enfin. C'était juste qu'on devait faire ce colis avec The I. Et bah, a priori. Non, franchement, il est super petit. Hein. Oh, les résistances, c'est énorme. Donc, on va faire un colis avec lui, je pense qu'on va se marrer. Bon, après, je vous cache pas, les gars, moi je suis un. C'est vrai que mon crabe. Bah, attendez, parce que là, ça me saoule en fait. Je peux pas vous montrer le stuff direct. Je sais plus comment c'est option de combat, je crois. Voilà. En fait, je vous cache pas, moi en fait, j'ai un stuff classique. Même si je me suis fait effectivement hacker, etc. J'ai quand même encore 130 millions de kama, également d'autres items. Moi, j'aimerais avoir un stuff 30% environ, résistance partout. Et si possible, je sais pas, être multi. Est-ce que c'est possible d'être multi, d'avoir un stuff 30% all? Je pense que c'est possible. Le problème, c'est qu'après. C'est vrai que si je mets le cram-cram, ça serait peut-être un petit peu mieux. Le voyageur, le problème, c'est que ça me fait super chier. Parce que, bon, je me fais tacler par n'importe qui. Du coup, bah, c'est super chiant. Mais, c'est vrai que à l'avenir, bon, si vous me proposez des stuffs, éventuellement pas trop chers, histoire de dépenser maximum 100 000... Ça, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. En plus, putain, on comprend rien du tout. Là, c'est super grave. Ouais, re... Du coup, on attend toujours The en fait. Hein. Alors, et du coup, bah, je disais, n'hésitez pas à me proposer des stuff vraiment. Parce que moi, en fait, tu vois, mon cra il est quand même en Strigid Glourson. Bon, c'est un stuff classique, mais il y a mieux, tu vois. Enfin, surtout en résistance, il y a mieux. Non, si tu veux. Moi, ouais, bah, c'est moi qui fais les stuffs de toute ma team et tout. Enfin, tu vois, le stuff sacré il est pas dégueu. Tu vois, à l'occasion, je t'en ferai. Bah, bien sûr, il est super ton stuff. Je t'en ferai un petit. D'ailleurs, pourquoi, t'inquiète pas. Je m'étais fait un grade 7 sur la bêta, je crois que je l'avais fait monter. Ah ouais, c'est cool ça. Franchement, ouais, il tuait là. Bon, après, j'avais fait un mode bourrin un peu qui pousse PVM. Genre en mode Strigid Glourson pour. Strigid pas de greffe pour monter vite, mais après, je sais faire des stuffs pour collier et tout. Si tu veux, je t'en ferai. Ouais, bah écoute. J'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Salut, tu recrutes toujours pour ta team communautaire. On est full. Ah la vache. Je vais en ajouter un ami, a priori c'est un Eka 200. Salut, oui, pourquoi pas. Alors déjà s'il a les items chat. Ouais, on va voir. Il s'appelle comment, peut-être je le connais. Il s'appelle Final Passion. Final non je connais pas. Elle est trop bien cette musique. Et le gars il est dans la guilde League of Brothers. Brother. Bad. Et n'empêche, oh, le Sadi est en train de se faire péter. Ouais, il a mis trop de raids, il s'est foiré sur son bouclier. Bah, le problème, c'est que déjà de 1, c'est Tart qui a commencé, tu vois. Mais surtout lui qui l'a aggro, quoi, donc du coup, c'est sa ouais, map. Ouais, et en plus, voilà, c'est une map, oh là là. Mais en plus, là, ce qu'il aurait trop dû faire. Bah, t'es dans mon groupe là, Attends, non, t'es pas dans mon groupe, je crois. Si, t'es dans mon groupe aussi. Ouais. Alors, regarde, tu vois les cases là, si je fais ça là, tu vois. Ouais. Genre, en gros, s'il aurait. Moi, à la place du Steamer, j'aurais évo l'attaque Tyrell et j'aurais bloqué le Sadi là-bas. Ouais mais enfin essaye de bloquer Sadi quoi. Bah non il pourra plus bouger, genre tu lui mets une tourelle là. Essaye de le bloquer le Sadi. Mais c'est pas dur, tu mets l'attaque Tyrell, tu connais pas. C'est ah ouais la technique qui TP et oui. Tout. Oui c'est ouais, ça. Mais enfin je pense qu'il a pas besoin de ça pour gagner tu vois. Bah tu sais là ça va durer grave longtemps hein. En plus ça va se jouer à l'érosion naturelle hein. Non. Vu que les deux peuvent se soigner. Ah si je pense. Non je pense pas. Non. Non, non mais il a 50% mais... haul. Je sais mais clairement là on peut voir Tart bon. Il sait ce qu'il fait. Hein, grade 7, mais... Non, il est grade 8, non. Ah non, 7, non, pardon. Non, il est 7. Bon, écoute, j'étais grade 10 pendant 10 ans, d'accord. Je connais tous les grades par cœur. Ouais, non, j'avoue que... Moi, le maximum que j'ai fait, je crois, c'était grade 7 ou 8. Moi, c'était grade 10, mais bon, c'était avant les trophées, donc... Oui, alors,
on en parle ou pas des crash hits de quand j'étais niveau 40? Je me faisais tomber à 1 PM. Voilà, en plus c'est vrai, hein. j'étais non mais mec, contre les sacrés mec. Niveau 120 moi, c'était pas niveau 200. Mais ah 129? Ouais, 120, non, c'était entre 114 et 140, j'étais grade 10. Mais tu t'y connais un peu en PVP bas level ou pas? Bof, pas trop. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois dans mes vidéos, je dis j'étais grade 10, mais en fait, ouais. J'ai jamais montré à personne. Je trouve que je suis un gros mytho. Ouais, alors j'ai fait 10 ans de curling. Et c'est pareil pour le gars, il fait ouais, ça fait 10 ans que je joue à Dofus. Alors tu sais, imagine, ça fait même pas un an. Toi, en vrai, ça fait combien de temps que tu l'as Dofus? Non, ouais, moi ça fait, oh là là, depuis peut-être, ça fait 7 ans, ouais. 7 ans, toi. Voilà. Quelle carrière. Jessic, racontez-nous votre parcours. Comment avez-vous appréhendé la venue des nouveaux supermages sur le roleplay inter-serveur C'est ce que c'est une question. Non, franchement, moi, Dofus, j'ai connu, je crois que c'était en 4ème ou en 5ème. Il y avait des gens de ma classe qui en parlaient et tout. Et, du coup, bah, ouais, j'ai commencé, hein, tranquille. Hein. Commence généralement comme j'ai ça, commencé d'ailleurs. Dans le game et bon... Moi, c'était mes potes qui faisaient les shows, là. Ils disaient, nous, on gère Digichamp et on se fait des camas avec. Et du coup, ils faisaient trop les beaux. Jusqu'au jour où on a droppé notre première coiffe bouffe-tout. Et là, mon pote, ça, c'est, je crois... Mec, on a même... là, allez, à cette époque-là, je peux te dire que même nos profs le savaient. On était extrêmement contents. On était refait. C'était à l'époque, ça. Ah non, mais mec, quand j'étais en 6ème, 5ème, mon pote... Genre, ils faisaient trop les beaux, mes potes. En plus, ils disaient, ouais. En plus, c'était genre, ils jouaient genre panneau bouffe-tout avec genre flèche enflammée, flèche glacée là. Je sais pas si tu te souviens, ouais, bah, 9, là. Bien sûr. Bah, genre, ils faisaient trop les shows. Et moi, j'étais avec mon sacré, genre, je galérais de fou, tu sais. Et j'avais un sacré R, je me souviens, mais c'était pas mon sacré, c'était pas ce sacré depuis. Changé de compte, malheureusement. Mais ouais, je me souviens, putain. Attirance, assaut, taqué par les. Après, je pense c'est une question de pâte au fond, tu vois. Ouais. Bon, en ce moment, je me fais un peu chier sur Dofus, mais bon. C'est parce que ça c'est parce que tu manges pas assez de pâtes. Ouais, bon, après ça, tu vois, je peux pas tout faire, tu vois. Genre manger des pâtes, m'amuser. Après, tu vois, je suis un homme multitâche, après, faut pas m'en vouloir, tu vois. Après, bon, c'est une question de pâtes aussi. T'es oh, putain. Si tu cumules les plusieurs persos, tu sais. Voilà. Ouais, je pense que le streamer va perdre, moi. Même s'il faisait le beau à agresser sur la map, bah là, dépasser le tour 15, généralement, c'est mal paré contre ça. Le problème, c'est que. Ouais, mais même. Le truc, c'est que le Steam, il est quand même. Il est full life à chaque fois, en fait. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se prendre des dégâts. Ouais, mais en fait, plus il a des arbres sur le jeu, plus il tremble moins. Ah, le Dofus, ouais, regarde le Dofus. Ah ouais, putain. Parce voilà. Que. Oh, vas-y. Vas-y. En fait, j'ai le temps d'aller FM ma cap, moi, le temps qu'il fasse son truc. Ouais, vas-y, hein, prends, il n'y a pas de soucis. De toute façon, au pire, cette vidéo sera pas une vidéo colis, sera une vidéo déteinte avec Squeak. Là, Rivax. Voilà, Rivax. J-Loel. C'est J-Loel. Et franchement, sa voix, elle est trafiquée à lui. C'est pas beau. Elle est abusée. En attendant... Elle est babouzaï. J'invente des mots des fois. Bon, l'FM se voile d'encre des familles. Putain, en plus ce matin j'ai rien mangé, là je pète la dalle, hein, je te jure. Je pète la dalle, comme disent les jeunes. Nouvelle expression utilisée par les jeunes. J'ai très très faim. Moi je me suis... Ma mère elle va me faire manger là d'ailleurs, dans une petite demi-heure. Putain, pour une fois que je suis debout à midi, incroyable ça. Normalement je suis toujours debout à partir de 15h. Ah bah écoute... Bon par contre, Senpai, si tu es AFK, je vais pas pouvoir te FM. Ouais. C'est l'appel de Dofus. Non, c'est l'appel du cauchemar qui m'a fait me réveiller. Oh, regarde, il a écrit comme en faute. Pas ma faute, ma faute. Chef ! Non, ma faute. Oh, putain, la vache, comment il a écrit faute. La faute. Vache. C'est pareil, les gens qui écrivent genre Toa comme ça, genre. Ou bien. Go d'engin. Le gars qui veut le go en gros. D'engin. Bien, attends alors. Ah oui, attends. Jamais vu ça, moi. Et celui-là, les gars, je pense que vous reconnaîtrez tous, c'est le... Oh putain, voilà. Oh putain, c'est ce que j'allais écrire. Le quand même. Et le quand même, il est... Ah, il fait mal à la tête, hein, quand même. Il fait mal à la tête. Ah non, mais vraiment. On devrait, bannir les gens qui utilisent quand même. Je pense.
C'est pas le droit. Et là, imagine, genre, dans les commentaires, ils font un top commentaire, genre, un mec, il est, juste, il écrit quand même, il a 100 likes, genre. The quand même 78. The... T'imagines. Bonjour, sur ma chaîne, je vous propose des vidéos avec des fautes d'orthographe à tous les titres, donc... En plus, attends, je crois qu'il a sorti une vidéo drôle, là, il y a pas longtemps, des 400... Ah, The Kerry. Ah ouais. De toute façon, toutes ces vidéos, elles sont drôles. Moi, je regarde pas ce mec. Bah, il moi, est bien. Franchement, le truc, c'est que ces vidéos, en fait, ils font trop... C'est trop marrant. Mais en fait, le truc, c'est qu'il est naturel, mais... Tu vois, par exemple, rien que les titres, il fait plein de fautes. En fait, si tu veux, c'est plein de trucs qui fait qu'au final, c'est... Ouais, c'est son personnage, ouais. Voilà, c'est trop drôle. Genre, il fait des titres de trop marrants. Enfin, genre, il met plein de fautes, tu vois, mais c'est même pas des fautes de S ou quoi, hein. C'est... Des fautes, c'est horrible. Genre, E-E-T, des trucs, et encore, ça sert à rien. Ouligos qui me dit qu'hier, il a fait le meilleur colis de sa vie. Ah là là. Parce que t'étais dans le combat ou quoi? Non. Même pas? Alors comme non. ça te disrespecte ouvertement. Voilà, exactement. Mais genre, je sais pas si t'as vu le coup de coude qu'il a mis à un moment, TK. Pense à toi. Et mon coup de Twitter. The Kerry là. Ouais. Ouais, je crois que je l'ai vu sur Facebook là. Il nique son ordi ou je sais pas quoi, non? Ouais, ou son clavier ou je sais pas quoi. Il met un coup de coude, mais c'est violent. Putain. Le pire en fait, c'est qu'il s'énerve. Puisque son compte Twitter il a été bloqué, mais je sais pas, il s'énerve contre qui, tu vois. Enfin, bref. Parenthèse TK78. En plus, j'ai vu justement dans les dernières vidéos, dans les derniers coms, il y a eu des gens carrément qui disent. Enfin, non, il y a des faux comptes. Parce que je sais pas si t'en as entendu parler. Des faux comptes de TK78. Genre avec des noms bizarres et tout. Ah non, j'ai pas vu. Et bah, bref, il y en a qui sont justement venus dans ma vidéo et tout et qui parlent là, c'est trop marrant. Ah ouais? Bah, genre, en fait, si tu veux, quand TK, genre, quand il fait une gaffe, bah, par exemple, tu vois, quand il a cassé le drone, je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Bah, oui. Et bah, en fait, le jour, enfin, quelques minutes après, il y a carrément des faux comptes qui sont appelés The Casseur de Drone 78, tu vois. Avec une photo où il casse le drone. Mais je te jure, hein, ça va super. Taille de bâtard. Ouais, non. Mais... Enfin, bref, parenthèse TK fermée, maintenant, nous allons commenter le combat. Hein. Putain, alors, voile, j'arrive pas le FM en plus, ça me saoule. Gameplay passionnant du côté de Squeak. Effectivement, Squeak. Bon, écoute, je crois que je vais venir te rejoindre. T'es où? En vrai, si tu filmais ça, tu t'ennuierais tellement. T'es à Braque ou t'es à Bonta? Je suis à Bonta actuellement. Ou t'es à Strub? En vrai, ce serait bien s'il y avait des trucs à Strub quand t'es pas à Beau, tu fais des camas. Mais il y en a pas des. Mais si, il y en a des ateliers FM. Y en a un dans la forêt d'Abraknid, mais pas à Strub. Du coup, toi, t'es atelier quoi? Tailleur ou... Ouais, tailleur. Non, forge mage. Je suis en train de le faire, là. Ah, d'accord, excusez-moi, je pensais que tu... Attendez, ne dénigrez pas mon métier, mon bon monsieur. Voilà. Du coup, c'est qui? C'est Déglingue, le gars, ou Senpai? Ouais, non, c'est Senpai. Non, c'est Senpai. En plus, qui vient de Chips. Ouh là là, tu collabores avec les... Non, mais alors, écoute-moi, Joystick. c'est pas ce que tu crois. Il a dit qu'il me payerait, donc ne me juge pas hâtivement. Ouais. J'ai besoin de sous. Hashtag j'ai besoin de Kama SVP. Hashtag moi j'ai pas une team qui pète le feu et qui fait des cocos à 10 000 sur un putsch avec son yop. D'ailleurs, intro très HD hein, que tu as mis assez souvent. Avec des musiques très épiques, ma foi. Franchement, bah moi. Toutes les musiques que je mets, j'adore. Donc, alors, Squeak, on peut voir, a priori, il est niveau 200. Il s'est inscrit donc dans la liste des artisans. Hein. Il fait payer donc. En plus, il y a que toi en costumage. Ah ouais, alors toi, t'es costumage, joyeux mage. Corps dommage. Corps dommage, niveau 200. Sculpte mage, niveau 200. Ah non. Non, 50. Et après, faut que je monte forge mage et sculpte mage. Ouais, d'accord, bah ça va, c'est tranquillou. Alors, Joystick, je voulais vous expliquer. Okay. Je vais être à côté de vous, d'ailleurs, je vais vous interviewer si vous le permettez. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, retenez déjà à vous mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et le poussin... Non, attends, attends, on va descendre de ce truc-là, voilà, bien. Attendez, hop, 2 secondes, je reviens. Wow. 30 secondes. Vas-y, en attendant, je vais voir le combat de The. Je suppose que les abonnés voudront savoir qui va gagner. Du coup, je vais aller manger, moi, putain, je vais pas avoir le temps de coller. Bah, au pire, on collie plus tard. Plus tard, Plus tard, à 2h du matin. Ah, le gars, j'ai dit que j'allais faire mon voile, ça met 20 ans,
Ah, le putain de FM, donc je suis en train d'aller manger. T'as l'habitude de FM des voiles ou... Ah ouais, bah oui, le voile, j'en ai fait une paire de et fois. Et comment ça se fait que là, ça passe pas? Pourquoi là, ça passe pas? Bah, je sais pas, tu sais, des fois, genre, en 3 runes, ça y est, le voile, il passe, et des fois, t'as pas de chance. C'est le PPO, que... il saute pas, j'arrive pas à l'exploiter. C'est parce que je suis Skype avec toi. Ouais, genre, il a un peu intimidé, tu vois, le grand joystick est dans la combo Skype, tu vois. Ouais, effectivement. Il se carapate, tu vois, genre, il cache ses talents. Plus, le prix des voiles, en ce moment, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Ah, mais justement, j'ai regardé ces 25 millions d'unités, s'il te plaît. Un peu moins, si t'arrives à te débrouiller. Ouais, 24 millions 5. Oh, le soin. Oh, le soin de The avec la gonflable, ça lui a soigné du 1000 parce qu'il était entre 3 arbres. Et ouais. Vache. Attends, je reviens. Bon, je vais aller manger, moi, je reviens plus tard. À toutes. Ok, vas-y. J'arrive. Vas-y, ouais. À toutes. À toutes. On va du coup, les gars, on est solo. Je pense qu'on va terminer cette vidéo là-dessus. Enfin, moi, j'aimerais bien, justement, que le combat se termine. Comme ça au moins, bah vous saurez qui va gagner de Tart in your face. En plus je crois que je l'avais déjà vu. Et The E, il a vraiment un stuff. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce stuff? C'est 50% all 4700 vita, du retrait, du rox. Oh, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il le met pas en... Pourquoi il le poisonne pas en fait? Parce que si poisonné, non mais si poisonné Tarte, en fait, ça serait tellement plus facile. Après, il tape n'importe qui. Je pense qu'il va. Bah, attendez, pire, je suis quand même en collier avec lui. Parce qu'il me semble, les gars, je suis pas sûr, mais poison paralysant, je crois que ça a une durée infinie. Le poison, du coup, après. Enfin, je sais pas s'il est encore sur un collier avec nous. Bon, a priori, il doit être un petit peu occupé. Hein, il a peut-être enlevé les messages. Ce qui est tout à fait logique. J'avoue que ça dit, oh là là. D'accord, il pouvait pas a priori. Je pense qu'il attend le bon moment. N'empêche, ça va être chaud pour eux, les gars. Ça va être chaud pour eux. En tout cas, bon, bah, j'espère que ce genre de vidéo tranquille, hein, c'est vraiment. Bon, le genre de vidéo à se poser un dimanche soir. Voilà. Ça y est, la sacrifiée qui va faire mal. En fait, seulement, je pense qu'il va essayer de faire ça au prochain tour. Mettre la sacrifiée en ligne, invoquer un arbre, le pousser, et boum. La sacrifiée, ouais, les gars, la sacrifiée, elle peut faire du moins 1500, hein, justement. Ouais, facile même. Ah, il y a Stick Family qui m'a MP. Salut, dédicace à toi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ouais non, la sacrifiée elle est super mal placée. C'est un combat vraiment horrible. Enfin, de toute manière, dès qu'il y a du Sadie en général, les gars, c'est... Oh la Vita Max! 3400, il n'avait pas 4600? Et les gars, c'est abusé, hein. C'est abusé. Là, franchement, les gars, franchement, depuis que j'ai instauré, depuis que je parle avec les gens, enfin, depuis que je suis sur Skype avec les gens, vous trouvez pas que les vidéos sont mieux qu'avant? Enfin,
pour le peu des personnes qui auront évidemment continué cette vidéo jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y a des abonnés super fidèles qui commentent jamais. Je sais qu'il y a des abonnés qui regardent les longues vidéos, dont même moi, lorsque je regarde une vidéo, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, j'ai du mal à commenter parce que c'est comme ça, c'est tout. Je suppose que vous, c'est pareil. Je sais qu'il y a des abonnés qui me suivent, qui sont vraiment super fidèles et qui ne parlent pas forcément parce que, bah voilà, c'est comme ça. Qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément... C'est pas forcément l'envie, mais peut-être un manque de motivation ou autre. Mais bah, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui me suivent. Malgré tout, malgré qu'il y ait effectivement une partie de rageux, bon, c'est comme ça dans quasiment toutes les chaînes. Alors, ouais, malheureusement, la sacrifiée va mourir, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les gars, à cause de l'harponneuse. Voilà, c'est sûr et certain. Même le chef... Non. Ouais, bon. Alors là, je suis dégoûté. Mais donc, voilà. Bon, c'était une petite vidéo. Bon, j'espère que le combat va se terminer. Ouais, non. Oh là là. Je pense pas vous filmer la fin, les gars. Parce que... Je pense pas vous filmer la fin, les gars, parce que bah déjà qu'en ce moment je vous propose plein de vidéos quasiment 40 minutes, là 25 minutes, je trouve que c'est déjà très très bien. En tout cas, les amis, bon, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour me soutenir. Je vous dis bah très vite, hein. De toute manière, pour ceux bon, qui regardent encore cette vidéo et qui se posent encore des questions sur le contenu que je propose sur ma chaîne, en ce moment, je serai quasiment toujours sur Skype avec au moins une personne, que ce soit Squeak, que ce soit Andalous, que ce soit Luxam. Après, j'ai Skype de Hooligaz, malheureusement, lui, il bug un petit peu. Mais eux, a priori, en plus, ils devraient peut-être nous rejoindre très prochainement sur Skype aussi. Il y a pas mal de personnes hein, qui viennent sur Skype, c'est toujours cool. Donc comme je vous l'ai dit, alors le contenu qui vraiment arrive très prochainement et qui sans doute durera avec le temps, ça sera donc les attaques perco. Donc ça c'est super cool, franchement on s'ambiance grave. Les donjons, encore une fois tout ça c'est sur Skype. Et les colis, donc il y a quand même trois types de contenu. Après je pourrais évidemment rajouter le PVP 1v1 comme je suis en train de faire en mode relax. Donc ça sera limite le quatrième type de contenu. En tout cas les amis, bon je vous dis portez-vous bien. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. J'essaierai de vous poster peut-être deux vidéos là durant les prochains jours jusqu'à septembre. Peut-être ce dimanche, peut-être ce lundi, peut-être ce mardi, peut-être ce mercredi. Et ensuite après ça reviendra au une vidéo par jour. Et encore je sais pas puisque avec l'arrivée de mon BTS j'aurai sans doute beaucoup moins de temps. En tout cas voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai bien détendu. Hein. Enfin, si vous regardez une vidéo pour vous détendre, je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. En tout cas, voilà. Je vous fais de gros bisous, c'était Joystick et puis Squeak, bon, qui est en train de manger, je crois, un bon steak burger. Hein. Voilà, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Joystick et Squeak. Ciao les gars. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof cause that's what's up. Tell that DJ turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. Hey.